Ah, suite de l'aventure. Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Oui, j'ai envie de dire, j'ai tout à faire là. Un petit enfoncement par là-bas. Qu'est-ce que Pourquoi? c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Michel Lamolle qui t'a assassiné, Mathias? Qui est là? Qu'est-ce que Oui, qui est c'est? là? Oh, ça fait mal. Pas mal. J'ai déjà affronté des... Prenez ça! Est-ce que vous ne voulez pas mourir? Quick, je l'ai eu. Eh bien, mettre ces trucs. Attends. Ah oui, c'est sa dague en argent. Oui, non, là, je m'en moque. Ah, pour le coup, là, j'en ferai rien de sa dague. Donc on est d'accord, j'ai bien shippé le contenu. Mais non, il n'y a rien d'intéressant. Ah, regret, il n'y a rien. Bon, le coffre là, je l'ai fait. Je l'ai fait, oui. Lui, je l'ai fouillé. Ah oui, c'est par là que j'étais arrivé. C'est amusant. C'est là que vous vous effondrez et que vous vous videz de Oh, votre ça a sang marché. normalement. C'est là que vous vous effondrez et que vous... Ils ont tous à avoir des arcs de Zwemert. C'est dingue ça. Oula. Oula, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant d'icônes de magie simultanément là. Ah, il m'absorbe de tout en fait. Il m'absorbe de tout. Ah, c'est sa masse d'armes. Ah, le salopio. Attends, je vais lui répondre de manière appropriée. Ah!
Hache. Ah ouais. Ah non, mais elle est terrible, sa masse d'armes. Oh la vache! Ah, elle est redoutable. Masse d'armes de mage. Putain, mais le truc de fou, quoi. Elle aspire tout. Ah, du coup. Oh, c'est con qu'elle pèse aussi lourd. Hein. Parce que là, elle vaut... Oh non, faut que je l'embarque. Elle vaut une fortune, celle-là. Il faut que je l'embarque. Vache. Attends. Parce que du coup, est-ce que j'ai bien tout fouillé? Oui, on est d'accord. Ah non, j'ai pas tout fouillé, non. Ah, bah c'est là où ma magie rentre en action. Parce que maintenant, j'ai le sort moyen. Merde. Ah, je peux pas le faire. Ah, je suis pas assez fort. Merde. Je m'en vexerais, dis donc. Soupir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah oui, il y a une autre partie de la grotte que j'ai pas faite non plus. Vous montrer aura été votre dernière erreur. Ah, c'est des bandits. Est-ce que je peux lui faire une attaque de... Non, je fais plus dans le fardeau, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était drôle. Ouais, tant pis. Comment ça? Oh.
de mon échauffement. Patrick Vermine. Prenez ça. Eh ben j'ai chaud. Ouais, c'est une armure de qualité, mais bon. Ah, l'arme de gel. J'avais même pas vu la masse suspendue, dis donc. Alors, que je revienne dans la pièce principale. Qui est là ? Ah ! Ah ah ! Ah, il y a un truc au-dessus. Il y a un truc au-dessus, mais comment on fait pour l'atteindre celui-là? Alors là, c'est une énigme. Alors, ça craint. Ça craint du boudin. Ouais, ça craint du boudin. J'ai intérêt à prendre de la vie. Moi je vais prendre ça. Et évidemment, il a eu le temps de faire mal. Oh là 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 là.
course. Aïe 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 aïe. Ah oh, c'est bon, je suis mort. Là, le puma m'a déboîté. Oh punaise, ça dure. Je recommence. Merde, pas ça. C'est bien ce que je craignais. Petit ours brun. On se voit la même chose, il y a la peau d'ours dont j'en ai rien à un. Bon. Ça. Merde. Attends, je fais n'importe quoi. Ah oui, je veux bien, c'est quoi ça? Ah, dommage de santé au toucher. Vache. Il est où le puma? Ah, il est là. Ouais, tu parles fortification de santé si tu veux, mais... Eh ben, je m'en sors très bien.
Oui, c'est cool. Bouclier, blablabla, ok. Ah, c'était là où je m'étais retrouvé coincé la dernière fois. En fait, la porte avait été ouverte et je l'avais pas vue. Ceci explique cela. Bon, je suis de la merde là, décidément. À croire que je le fais exprès. Oh merde, j'avais pas sauvegardé. Oh non. Ah, est-ce que j'aurais pu faire un truc de fardeau, moi? Mais oui! Ah, il aurait fallu que j'essaye. La prochaine fois, il faudra que j'essaye ça. Allez, je vais entretenir mes armes parce que j'en fais pas mal usage. Oh vache! Eh ben dis donc, là c'est du grand art. Ah, bien joué. Oh cool. Donc, je sais même plus où j'en suis. Ok, il y a ça. Ah bah. Ok. Non bah.
Je croyais qu'il y avait un... Ah non, c'est... Oui, bah alors je l'ai fait, c'était le... Je peux rien faire d'autre en fait, moi. Donc c'est dans les tunnels abandonnés que je devrais trouver quelque chose. Si j'ai bien compris. Merde. Ah la grande forêt. Oui mais non, mais faut pas que j'y aille justement. Ah mince, j'aurais dû recharger la magie. Voilà, là c'est cool. Et là, je crois que j'ai rien fait. Il y a plein de choses, mais je connais pas. Ouh là là! Dans quoi j'ai mis les pieds, moi? Ah, quand c'est des pumas durs. Quand c'est des pumas. Nimp. Repère des bandits. Ah, ça c'est la jonction avec le truc que je voulais faire. Donc ça doit être la partie haute. C'est ça. Tout s'explique.
Rigolo, le piège. Suffit de provoquer l'intéressé, ce sera drôle. C'était censé m'impressionner. Ah oui. Sans doute. Dans les coins sombres. C'est pas tranquille. Moi je dis admirer le travail d'artiste. Il avait encore pas mal de flèches. Encore que dague en argent, ça peut être sympa. Ah ouais, non, allez, je laisse tomber. Le coffre en fait. Nul le mec. Ah, tu parles, j'ai regardé un crochet. Hop là, donc moi je fais la suite de ça. Ouais, donc il y a la partie opposée que j'ai pas encore faite. D'où il sort celui-là? Eh ben, je m'en suis très bien sorti. Il y a
D'ailleurs, je me pose la question, le coffre là, je l'ai fait, mais oui. Mais je la dépouille de... Oh, la bestiole, je sais même plus comment l'appeler. Dit le lutin. Ah, il a fait c'est très facile et l'autre c'est celui-là, ouais. Oh, arc de voltage. Tiens donc. Oh, capture d'âme, pas mal. Ah merde. Il pèse une tonne, mais il est intéressant cet idiot. Si je l'échange par rapport à mon arc. Ah. C'est embêtant. Mazette. Mazette, mazette, mazette. Ah. Va falloir que je porte les bottes. Ah, trop drôle. Stylé, trop la classe. Attends, il y a encore un truc. Ah oui. Mazette. C'est pas fini. Résistance à la magie. Ah bien. Oh merde. Ah, je crois que c'est la fin de la... On est d'accord, c'est la toute fin de... Oui, c'est bon. Ah, c'est sympa.
est d'accord, j'ai tout visité là, oui. Eh ben dis donc. Hein, du coup. Je vais pouvoir effectivement me prendre une torche. Et réparer mes affaires. Très bien. Eh bien. Si j'arrive au bon endroit. Mais non, mais... Attends. Ah non, j'ai pas tout fait. Ah, j'ai bien fait de revenir, dis donc. Non, non, erreur de ma part. Je n'ai pas tout fait. Oui, qui est là? Quoi que c'est pu être, c'est fini maintenant. Ah ah. Mais je vais remballer ma torche, forcément. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas. Voilà. Que c'est pu être. C'est fini maintenant. Ah, oh, j'avais pas sauvegardé quand je l'avais. J'avais pas géré les sauvegardes comme il fallait, dis donc. J'ai déjà affronté des crabes de... Mais... Je fais silence et je lui soustrais de la magie. Elle trouve le moyen de lancer le sort, ça va pas. C'est qu'elle a paré mon attaque, là. Ou que la potion a pas fait effet. Je crois avoir compris. Je crois que j'ai pigé.
Elle apparaît, donc en fait j'ai pas pu mettre l'effet maléfique. Voilà ce qui s'est passé. Ah merde! Merde, merde, merde. Ah, je viens de comprendre, c'est logique, c'est logique. Mince, elle m'a eu. Chut. Alors, ça oui. Voilà, merci. Oh, magnifique. Ah oui, parce que sinon je reviens à... Oh là là. On entend le son des bottes qui n'est pas le même que des bottes lambda, c'est bien. Ça fait vachement crédible. Et là, il faut que je prenne où? Ok. Par contre, je sais pas quelle heure du jour ou de la nuit on est là. Aïe. On serait peut-être le matin. Non, on est au crépuscule, merde. Où est mon cheval? J'en avais oublié l'extérieur, dis donc. Oui, bonne question, où est mon cheval? Je l'avais mis. Oh non, il est mort! Oh non! Oh non, je suis deg! Mon cheval est mort! Je savais même pas. Putain, il y a une porte d'Oblivion là-bas. Je savais même pas qu'il était mort dans l'histoire.
Oh là 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 là, la mauvaise surprise. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'auberge du mauvais présage. Ah, c'est pas l'auberge. On est où là? Ah, excusez-moi. Bonjour. C'est un plaisir de parler avec vous. Ah, c'est bien, vous êtes aubergiste. Le bois noir n'est pas si terrible que ça, une fois qu'on s'est habitué aux mouches. Et il faut aimer se perdre toutes les 5 minutes, bien sûr. Oh, et j'allais oublier les zombies et les feux follets. Oh non, les feux follets, ils sont chiants. Ils me coûtent une fortune. Tu proposes quoi? C'est bien de vouloir apprendre. Ah ouais, l'altération des noms. Ok, Doki, tu proposes un lit? Vous cherchez un lit. J'en ai un pour vous, si vous avez les 10 pièces d'or nécessaires pour la louer. Mais avec plaisir, merci. Vous cherchez un lit. D'accord. Montez l'escalier. C'est la première porte sur votre droite. C'est là qu'est votre chambre pour la nuit. Mais ben merci, je viendrai te rejoindre après. Bonjour. Bonjour. Ah oui, quel bonheur. Quel bonheur, quel bonheur. Ah, je manque 12 heures de sommeil là, j'ai trop combattu, j'en peux plus. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous avez? Le marais noir est plus dangereux que jamais. Beaucoup de colons ont disparu et la plupart des non-argoniens sont partis. Terrifiés. Pouvez-vous m'aider à retrouver les grosses pommes de terre que j'ai perdues? Oui, avec plaisir. Je m'y ferai jamais à cette coupe. On dirait une couronne royale. Des rumeurs? Ceux qui ont toujours vécu en accord avec les préceptes des neufs pourront se voir offrir une bénédiction de force aux pierres sanctuaires de Tiber Septime. Mmh. Mais donc les grosses pommes de terre? Je vous en prie, vous devez m'aider à les retrouver. Si je ne les ai pas pour préparer la prochaine fournée de pain-patate, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai vraiment été trop bête de les laisser dehors comme ça, toutes seules. Je voulais seulement leur faire prendre le soleil. Et voilà qu'elles ont disparu. J'ai vu quelqu'un s'enfuir en courant vers l'ouest. Mais j'ai trop peur pour m'aventurer toute seule dans les bois. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider? Je vous paierai bien, je le jure. Oui, ben j'essaierai de t'aider. J'ai entendu dire qu'Argonia était un lieu étrange et dangereux. Pas étonnant qu'il s'y passe des choses bizarres. Au revoir. Adieu. Salut. J'espère pouvoir vous être utile. Salutations! Qu'est-ce que tu veux? Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Mmh. Pourvu qu'elle ait des murs.
sympa le gâteau sucré. Ah, dommage, elle n'en a qu'une, mais elle en a. Vous avez la négociation dans le sang. On n'en parle pas. Ah, je peux lui vendre certaines choses. Bon. J'aime faire affaire avec vous. Attends, je vais faire de l'alchimie. Des rumeurs? La vallée de la Nibenay est une région de terres arables, de pâtures et de forêts. À bientôt. Ah, tout de suite, tu veux dire, oui. Alors, la viande de la... Non, la viande de... Oh là 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 là, tout voir. Ouais, bof. Et le spidal, où ça fait mal. Bonjour. Du coup, je sais pas si je vais te vendre. Je vais peut-être les garder pour le combat, mes trucs. Vous aussi. Oui, merci. Peut-être discuter avec monsieur. Bonjour. Qui a-t-il ? Bonjour. Des rumeurs ? Nous sommes d'abord et avant tout protégés par des barrières naturelles. Deux chaînes de montagnes au nord et à l'est, l'océan à l'ouest, et une succession de marais et de forêts tropicales au sud. Prenez soin de vous. Oui, merci, toi aussi. Je me pose des questions. Ce qu'il faudrait que je retourne en centre-ville vendre mon butin. Il faut que je me rachète un cheval, ça m'énerve, mais bon. Alors, le faucheur de pommes de terre. J'ai rencontré une étrange Kadji du nom du Sijra à l'auberge de Ferjguil. Elle est persuadée que quelqu'un lui vole ses grosses pommes de terre. Elle s'en sert apparemment pour fabriquer son célèbre pain aux pommes de terre. Elle offre récompense à quiconque lui rapportera ses pommes de terre. Sijra m'a dit que le voleur était énorme et qu'il se dirigeait vers l'ouest. Oui, moi je vais peut-être pouvoir en découdre. C'est énorme, il se dirigeait vers l'ouest. C'est quoi, un ours? Oh, c'est un ogre. Oh
merde, ils ont tout raté, ça m'agace. Merde. J'ai fait mes potions tant que je m'en sers. Potions de magie. Eh ben oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Parfait. Ça. Je me pose la question. Ah, dommage. J'avais espéré, mais non, là, nul mon truc. J'ai rencontré un orc dans le désert. Dans le désert, j'appellerais ça une forêt, mais bon, un désert vert si tu veux. Il s'agit apparemment du voleur de Sijra, puisqu'il s'est emporté ses grosses pommes de terre. Bon, bah je lui ai restitué, elle sera heureuse. Ouais, puis j'arrête pour aujourd'hui. Je pourrais pas me distraire davantage. À mon grand regret. Elle est où, ma copine? Qu'y a-t-il? Rien, je voulais parler à l'autre. C'est moche. Adieu. Vous avez réussi? Oui. Bonjour, Khajiit. Les pierres sanctuaires des neufs bénissent les justes et les fidèles. Continuez. J'ai entendu des rumeurs extrêmement troublantes concernant l'ouverture de portes d'Oblivion, un peu partout à Cyrodiil. J'espère qu'elles ne sont pas fondées. Par les dieux. Bien sûr. Prenez soin de vous. Que puis-je pour vous? Soupir. À bientôt. Vous avez réussi? Oui. Vous les avez. Vous les avez. Je sens qu'elles sont avec vous. Ah, t'as un bon odorat. Tiens, les plats. Comme promis, voici une récompense pour vos efforts. Voilà, il n'y a pas le doublage. Ça va tellement vite que j'ai pas le temps de lire le truc. Bah, je mettrai pause sur mon ralenti. J'ai plus que ça à faire, moi, de toute façon. Des rumeurs. Ceux qui ont toujours vécu en accord avec les préceptes des neufs pourront se voir offrir une bénédiction de force aux pierres sanctuaires de Tiber Septime. Oui, tu l'avais déjà dit. Bon voyage. Merci, toi aussi.
Ouais, au moins, on sait jamais. Si j'ai vraiment un gros regret pour le cheval, voilà, je sais pas si je referai tout. Voilà, j'aurai les moyens de m'acheter un autre cheval, là.